Hello les ça amis, va, c'est ça va. Et on se retrouve pour l'épisode 5 du mode univers, toujours en compagnie de Mister Sergent Toxique. Il est en train de muer là. Non, ça c'est le bruit, on dirait dans Tarzan là, tu sais, quand il saute, il fait. T'imagines, c'est toi que dans la rue, tu sautes et tu fais. Je pense qu'on te prend un petit peu pour un fou. Après, on se met sur YouTube, l'homme singe. Où tu fais de la tyrolienne. Ça doit être sympa, j'ai toujours voulu faire de la tyrolienne, voir ce que ça donne. Ah, ce serait kiffant ça. Yeah. On est à San Antonio, Texas. On est toujours en Texas depuis ce moment. Exactement. Et on est à Monday Night Raw. Mesdames et messieurs, on est parti pour un match qui va opposer Adam Rose. À qui fusion? À Eric Rowan. Exactement. Toujours en dansant, comme à son habitude. Hein. Jamais il rentrera dans le ring. En même temps, s'il rentre dans le ring et qu'il fait la gueule à tout le monde, voilà, c'est plus joyeux, quoi. Exact. Surtout qu'avec sa musique, ça le ferait pas s'il ferait la gueule. Oh, ah, mais c'est clair. Ton petit chat est trop. Alors, ce que je comprends pas, c'est que j'ai mis tenue aléatoire pour Adam Rose, il a toujours la même. Le mec, il a que cette tenue. Trois petits chats, j'ai un chat, chien. Toi, t'as un chat, moi, j'ai un chien. Et oui, vas-y, jalousie. Ok, c'était pourri. Un petit peu. Attention, il va avoir trop de cul bientôt. Attention, ouais, je vous aime. Ah! Pourquoi il a fait genre je prends des crottes de nez, je les mets dans mes fesses juste avant. Ah, là il a fait genre j'ai le cul qui brûle parce que je suis chaud. Ah, il est peut-être chaud le frère. Oh, il court, attention. Bah, tu sais que j'ai remarqué que ça c'est l'entrée de Michael Cole quand il fait ça dans le ring. J'avoue en plus. Bon, moi ce qui est bien c'est qu'on sait qu'il sait courir. C'est déjà pas mal. Hey, franchement, ça prouve que c'est que physiquement il va bien. Tu vois ce que je veux dire. Ça prouve qu'il sait aussi faire des sleeper hold comme exactement. C'est plaisir. Et on accueille un des membres de la Wyatt Family, un des membres qui va faire face à Adam Watt ce soir, mesdames et messieurs, Eric Rowan. Woman, woman. Ah non, le roux chauve. Eric Woman. C'est une femme maintenant. Roman Rowan. Tu sais que ça existe des femmes avec des barbes. Ouais, c'est dans les. Regarde la barbe. Bah, regarde la mère Noël. C'est pas mal ça, j'ai le mot. Père Noël. Je vois. Blanche, c'est ce que je veux dire. Très recherché, monsieur Toxique. Je vous en supplie, c'est un plaisir. Tiens, je te montre un truc avec l'entrée d'Eric Rowan, tu vas voir, tu vas kiffer. C'est quand il sera dans le ring et qu'il va lever les bras, faudra que tu regardes la bouche du masque. Ok. Tu vas kiffer. Juste. On fait toujours, je commente les premiers, tu commentes les deuxièmes. Toujours, ouais. Donc je me tape à Adam Rose. Voilà. Super. En même temps, il a fait abandonner qui déjà, Ro? Le caster avec un sleeper hold. Et bah là, il va faire abandonner Eric Rowan. Ah, je sais pas, on va voir ça. Hein. Peut-être qu'il va faire le tomber. Attention, regardez la bouche. Attention, hashtag homme sadique. Oh my god. Hashtag lapin Antoine Style. Hashtag barbe rousse. Hashtag vêtements verts. Hashtag million dollar man, tête DiBiase. Hashtag yeux. Parce qu'il y a des yeux. Hashtag WWE qui tourne. Et on est parti. Match et close line. Parfaitement. Alors ça commence fort le match. Hein. Ah oui, j'avoue que on va direct dans la sauce, dans le feu de l'action. Attention, mesdames et messieurs, et le kick dans la face monstrueux de Eric Rowan. Et tiens. Oh putain, je l'enchaîne hein. Je suis pas trop beau coach là. Tu vas peut-être arrêter de m'enchaîner. Oh, la coup de poing. La coup de poing, c'est pas français ça. La coup de poing, il a mis un coup de poing, la coup de poing. Oh, attention, qu'est-ce qu'il va faire, Rowan? Il va céder des cordes peut-être. Oui. Oh, le coup de genou. Parfaitement. Il a bien éclaté sa gueule. Voilà. C'était plutôt le torse. Attention, récupération. Belly to belly. Parfaitement exécuté. Par Adam Rose et on continue l'acharnement sur la tête de monsieur Eric Rowan avec ça tout le respect que je bien. Et voilà, on passe par derrière et bim. Et ok, il est génial. Rowan, attention, et Spinebuster. Oh my god. Alors, ça c'est pas du Adam Rose hein. Ça c'est du Adam Rose. Ah, exact, hein. Il a récupéré en Spinebuster. Oh, la prise de judo de Eric Rowan. Parfaitement. C'est pas STO ça. Si, STO. Ok. Attention, et voilà, okay, Adam Rose là, retournement du bras, c'est contré, et le coup de bélier.
parfaitement exécuté par Eric Rowan. Le show commence bien, on a un gros match là. Ça c'est clair, pour bien commencer, il commence bien. Tu vois, c'est un petit peu comme les cochons quand ils font... Merde. Oh, le spinning kick. Ah, celui-là, il était monstrueux. Il vient de l'être, là, il est tremblé un petit peu. Il veut venger Luke Harper de la semaine dernière. Ah, mais là, c'est clair. Surtout que je te rappelle, Monsieur Fusion, que quand Luke Harper était pris justement, quand Adam Rose avait fait une clé de tête justement sur Luke Harper pour s'appeler, Eric Rowan a pris son temps pour monter dans le ring quand même. Oh! Je tiens à le signaler. Et ça, c'était monstrueusement bien porté. Le tombé. Et un, deux, et trois. Ah. En même temps, c'est son finish, la close line from hell. Ah, c'est clair. Magnifique close line. Comment elle a été portée, c'était monstrueux. Ah, là, c'était terminé. Dédicace à JBL. Exactement. Mais c'était un grand match pour bien commencer. On peut dire, on peut préciser, mesdames et messieurs, que Adam Rose a battu les deux membres. Regardez-moi de la ça, boum. Ah, elle était monstrueuse, celle-là. Et un, et deux, et trois. MDR. Regarde, on remettait 2 secondes juste avant quand il faisait le tomber. Regardez les yeux de Eric Rowan, on dirait qu'il vient de voir. On dit qu'il est mort. J'ai le mec de Jason dans Vendredi 13, hein. Il avait les yeux en mode oh putain, qu'est-ce qu'il va me faire. Qu'est-ce qui vient de se passer, je viens de me prendre un très bon coup. Exact. En tous les cas, très beau match. Très belle victoire d'Adam Rose. Et Eric Rowan. Eric Rowan, c'est un Rowaner. C'est pas mal ça. C'est un bûche, sa gueule. C'est clair. Adam Rose. J'adore la musique d'Adam Rose au passage. Ouais, j'ai gagné. Wow. On est parti. Donc, pour le prochain match qui va opposer qui contre qui fusion. Ah, je ne sais pas, faut que je regarde. Pour l'instant, on voit le match Fitness. Ah, c'était pas attaqué, c'est dommage sur le coup. Ah, mais je me souviens plus trop là. Ça fait trop longtemps que j'ai tourné. C'est Luke Harper et Alexander Rusev. On voit beaucoup les Wyatt là dans, en ce moment. Rusev. Oh mon dieu, l'affiche Luke Harper versus Alexander Rusev. Mais là mon petit fusion, c'est un match de taille pour Alexander Rusev. Et oui, et on voit que j'ai pris celui qui était mieux fait là. Exactement, et il affronte Luke Harper, un des membres de la Wyatt Family. Et ce match là va juste être énorme. J'ai l'impression que c'est la soirée Wyatt Family là, non? Depuis Raw dernier, c'est Wyatt Family. Il y a eu Wyatt Family à Raw, Wyatt Family à SmackDown. Et là il y a deux fois Wyatt Family. C'est clair, mais je vois que ça. Et on est parti entre les deux hommes. Mesdames et messieurs, welcome. Un mec qui est complètement fou dans sa tête. C'est plutôt lui qu'on qualifierait de bûcheron au final, avec ses habits. Ouais, exact, j'avoue. Un mec qui obéit au commandement de son boss, de son leader, de ce psychopathe de Bray Wyatt. Mesdames et messieurs. Tu sais quoi le surnom de Bray Wyatt? C'est le mangeur de monde, dit Eater of World. Ouais, un maximum de pouces rouges. Non. Attends, pour Luke Harper, les pouces rouges. Ouais, s'il y a des pouces rouges, c'est que pour Luke Harper. Non, c'est dans la tête à nous là, c'est pas bon. Ouais, non, mais non, du pouce bleu pour ces matchs énormes qu'on a ce soir. Ouais, c'est clair, mais du pouce rouge pour Luke Harper. Ah, du pouce bleu, enfin, du pouce comme vous voulez, du pouce. Pouce gris. Quoi. Regarde, il a un camion derrière sa veste. MDR, ouais. Harper, c'est un routier en fait, il nous l'a caché. C'est rare quand même que des mecs demandent des pouces rouges dans les vidéos. Quand ça arrive rarement. Mettez-moi un pouce rouge, j'adore ça. Faites pas un pouce rouge. MDR. T'as la musique, elle est endormante. T'as envie de dormir quand tu l'entends. Bah. Elle est un petit peu hypnotique. As-tu sorti ta bougie fusion? Non, par contre, je peux prendre mon téléphone, faire comme dans le public et faire. Moi j'ai des lunettes, je vais les lever vers le haut et je vais les. C'est quoi le rapport? Je sais pas. Je vais les lever vers le haut, ça va être génial. Bah en fait, dans sa veste, il fait de la pub pour Euro Truck Simulator 2. Pire. Il y a ma télé qui marche un petit peu fort, il y a le gros noir gay là, ma gloire. MDR. On accueille. Lucif Matchka. On accueille une brute parmi les brutes. Ah, il est beaucoup mieux fait, hein. Là, oui, là, c'est le vrai, tu vois. Alexander Rusev. Alexander Rusev. Voilà, le R, il était moins bien. Alexander Rusev. Mais parce qu'il roule pas le R, il dit L à la place du R, ça fait un homme. Un homme qui n'a jamais perdu au sein de cette fédération. Et même au sein de l'univers, il est à 2-0 Alexandre. Là, je crois. Exact. Alexander Rusev qui ce soir va quand même faire face à Luke Harper. Ce soir, c'est pas de la blague, mesdames et messieurs. Luke Harper versus Alexander Rusev.
c'est maintenant, devant vos écrans, mesdames et messieurs, accueillons une petite être humaine. Petit, c'est petit que ça quand même. Hein. Excuse-moi, mais quand tu le compares à Luke Harper, c'est de la petite taille. Bon, je sais pas, faudrait les mettre à côté dans le match. Ah, je te rappelle que Luke Harper fait 2 mètres combien exactement? Est-ce que tu le sais? 2 mètres 1 ou 2 mètres 2, je sais pas. Et Alexander Russoff? 1m96-17, je crois. Mais il est pas loin, je crois. C'est comme toi, moi je fais 1m72, tu fais 1m86, tu vois, c'est pas la même quoi pour les deux. Ça fait pas du tout la même. Ah ouais, merde. Zack Ryder, qu'on voit jamais. Oh, l'American American, Zack Ryder. Non, okay, c'est pas ça sens. Du tout, non. Je sors. Le champion d'internet, Zack Ryder. C'est clair. Attention. Ah, quoi que si, il est petit comparé à... Il a une tête de moins. Hein. Je viens de me faire défoncer. Allez, Luke Harper, faut revenir là, je suis ton petit. Attention, Alexander Rousseff, prise de tête. Il va le projeter dans le coin. Non, il le fait revenir et le Samoan Drop. Tu peux dire ce que tu veux, Fusion, mais ça commence très mal pour Luke Harper. C'est vrai, mais ça nous promet un grand match. Attention, et voilà, tu vas te calmer. Parce que t'as face à toi, Luke Harper. Un homme qui aime les armes. Et tiens, Russell les armes. Bah oui, Harper, arme. Harpon. Ou harpon. Harpon. Oh, le coup de bélier. Et Rousseff, il aime les rousses. Enfin, Lana, c'est pas une rousse. Et je tiens à dire qu'en dans la vraie vie, ils sont ensemble. Donc. Quoi qu'on peut dire, Alexander Rousseff aime les Russes. C'est vrai. Wow. Oh, le Samoan Drop. Mais là, pas de le déglinguer, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as Luke Harper, il est où? Voilà, il revient. C'est la Wyatt qui revient là. Attention. Le spear de la Wyatt qui revient. Spear, non, pas vraiment. Ah, le spear. Aussi. Un deuxième coup. Voilà, il est là. Il est dans le match. Attention. Et la belly to belly suplex. Ah, il est parti me chercher pour cette belly to belly. Oh, attention, la clé de bras. Enfin, l'arrachage de bras, enfin, comme tu veux. Bien porté par cette petite être humaine. Attention. Ouh, White. Il a poussé. Tu crois le délire avec son ventre là. Elle c'était poussé avec ses bras, je crois qu'il a fait un. C'était pas une close line en tous les cas. Enfin, j'ai pas l'impression. Et un. Non. Oh, pop, pop, il me fait peur, Harper là. C'est pas trop. Harper, ce qui va se passer. Si tu vas de ce que je t'ai dit avant le match, faut te défendre. Et le coup de coude dans la mâchoire. Je t'ai dit, le but c'est pas se prendre. D'esquiver les coups. Tu fais comme Zinedine Zidane. Mais attention, et la belle et tout belle et souplex. Oula. Voilà, pour revenir dans ce match. Attention, on va le relever. Et merde. Et merde. Attention. Et cette fois, c'est Rousseff qui s'y met avec une souplex. C'est quoi ce match? On voit que des belly to belly qui part en l'air là. Je sais pas, mais attention, est-ce qu'il va nous peut-être faire le accolade, Rousseff? Oui, le accolade. Attention. C'est parti. Il va-t-il abandonner? Tu peux pas abandonner sur ça, Harper, c'est pas possible. Harper. C'est la prise de soumission de. Harper. Enfin, c'est la prise de finition de Rousseff. Non, il a non, il a pas abandonné. Regarde, Luke Harper, c'est le talent. Le talent. Le talent. Et je reviens. Voilà. Attention, attention. Ouh, dans les yeux. Ça doit faire mal, ça. Est-ce qu'il va en profiter? Oh, attention. Oh non. Attention. Et someone drop. Eh, mais qu'est-ce qu'il est chaud, ton mec là? Enfin, ton mec. Oh, le mec là. Le match, il est plutôt. Encore une fois. Oh, je pense que c'est mec, fini. Le mec, il se prend pour un autocar. Ouais, j'arrive. Je pense que c'est fini de la manière dont tu lui as foncé dessus. Non, deuxième fois. Un, deux, trois. C'est toujours les personnages deuxième qui gagnent. Toujours, jamais les personnages premiers qui gagnent. Ah, toujours deuxième. C'est ta faute, hein. Bah ouais, mais. Mais voilà. Rousseff Machka. Rousseff Machka. Invaincu. À WrestleMania. Moi, je déconne. Non, c'est pas du tout ça. Toujours invaincu dans le mode univers pour l'instant, Rousseff. C'est clair. Alors que Luke Harper n'a jamais eu une seule victoire pour l'instant. Eh merde, il y a un problème avec Rousseff. De quoi? Bah, il se coupe pas les ongles des pieds. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ah, c'est moche. Il va me dire des pieds de sorcier, le mec. Ah. Ouais, je suis un sorcier, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, viens, je te barre. Wow! MDR. Alors mon petit Fusion. D'ailleurs, pourquoi ton prochain épisode sur EFC? Bah je sais pas en fait, parce que j'y vais plus souvent donc. Et d'ailleurs le match du jour ça va donc c'est l'Elimination Chamber et quoi d'autre tu m'avais dit déjà? Et le match What the Fuck, j'ai pas eu le temps de le tourner donc à la place ce soir. Ça sera enfin ce soir, non, c'est, ça sera déjà passé quand je mettrai. Ça, ouais, c'était les Hardy Boys contre Cody Rhodes et Goldust dans l'arène Minecraft. Cool. Ah ouais, bien joué, mon Minecraft Creeper. MDR. Précision, c'est important. Mesdames et messieurs, on est parti pour un match de feu. Déjà, tous les matchs qu'on a eu jusqu'à maintenant ont été énormes. Enfin, on aurait pu faire plus énorme encore.
Oui. Et l'on est parti entre Dean Ambrose et Tensai. Le champion des États-Unis contre Tensai, Sweetie. Qui s'appelait à l'époque, si mes souvenirs sont bons, tu te souviens du Lord match de Tensai. Ouais, mais il avait un autre nom avant. Tu te rappelles de ce match avec Big Show? Avec Big Show contre Undertaker, WrestleMania jusqu'à maintenant. Il s'appelait E-Train. Un handicap match. Tu te souviens ou pas de cet handicap match? Oui, bah match, je te le dis, il s'appelait E-Train. E-Train, voilà. Et il a fait son retour en 2012, si mes souvenirs sont bons. Oui, sous le pseudo Lord Tensai. Lord Tensai. On accueille avec le champion des États-Unis, le membre du Shield. Dis lui, mesdames et messieurs, c'est un véritable psychopathe. Ah, quand tu vois ce qu'il a fait à la CZW. Exactement, mesdames et messieurs, je vous invite à taper Dean Ambrose. Sauf si vous êtes trop jeune. C'est clair, parce que ce match-là, c'était quoi déjà la fédération, tu m'as dit? Et la CZW, où Dean Ambrose s'est fait ouvert le crâne à coups de 6 sauteuses. Exactement, et la CZW, la CPTW, bon bref, CZW, c'est pas grave. CZW, c'est, je mettrai ça en adaptation au pire. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait de la CZW? Alors, CZW, c'est une fédération qui est... C'est la fédération la plus extrême au monde, parce que là-dedans, il n'y a pas que des tables de base, il y a des tables avec des barbelés installés dessus, et il y a même un match, si tu veux, en fait, ils sont au-dessus d'un espace, il y a le ring à côté, et au-dessus du ring, il y a une grosse toile de fil barbelé. Ouais, donc c'est ça, ça rigole pas. Ils tombent sur le ring, en fait, ils tombent sur les fils barbelés directement. C'est clair. Et on accueille Tensai, toujours accompagné de ses tatouages. Et vous remarquerez, monsieur Fusion, mon cher Fusion, qui n'est plus accompagné de son petit chinois. De son petit chinois. Ah non, du petit chinois qui lançait du sel cérémonial. Voilà, c'est celui qui paye 1€ tous les mois, là. C'était pas celui qui était avec Yokozuna à la base? C'est clair, c'est clair. Mister Fuji, non? Exact, exact. Et d'ailleurs, il s'était embrouillé, il me semble même qu'il avait frappé. Oui, peut-être. Bon, je sais plus trop quelle raison. Après, il était venu. Après, suite à ça, il y a 2 mois ou 3 mois après, il était venu avec Brodus Clay. Ouais, effectivement. Il a commencé à danser. Il y a eu une embrouille aussi. Il y a eu une embrouille, je crois, entre les deux. Ouais, Brodus Clay a frappé Tensai, il me semble. Ouais, exactement. Il en avait marre mesdames de perdre. Mesdames et messieurs, en tous les cas, merci pour cette petite conclusion fusion. Et en tous les cas, on est parti entre Dean Ambrose et Tensai. Ouais, ça commence fort. Et je suis content car je coach Dean Ambrose, ça fait plaisir. Le champion des États-Unis. Ça se contrer et tiens, on va le calmer. Voilà, prends-toi ça et prends-toi ça et prends-toi ça et prends-toi ça. Mange des bananes, des pommes. Attention, et la prise à la pompote. Attention, et voilà. Voilà, je t'ai travaillé. Me tue pas non plus, hein. On n'est pas à la CZW. On le relève. Mesdames et messieurs, attention. Attention, Tensai revient. Attention. Oh, le body slam! S'il te plaît. Dean Ambrose, il a levé et en gros, il a attendu qu'il le frappe. Oui, c'est un peu ça. Allez, c'est un peu bizarre, non? Frappe-moi, attention, et tiens, bien calmé, Tensai. Voilà, Dean Ambrose, Gunfire, un des trois membres de l'équipe la plus dangereuse de ces derniers temps. Il s'agit bien évidemment de The Shield. Et voilà, le elbow par derrière, on va parler de même occasion. Attention! Alors, je tiens à dire peut-être que s'il perd à payback, ça pourrait être. La dissolution du Shield, j'ai exactement. L'impression de parler de attention, flat over, neck parfaitement exécuté. Exécuté. Ce match qui a pas l'air d'être un match d'affiche, franchement. Ouais, et pourtant, il a l'air plutôt pas mal. Ouais, il commence très bien. Et on va le ramener là-bas à l'autre côté. Attention, on récupère clé de bras pour le tourner et c'est contré. Oh, Tensai, attention. Oh, le coup de bélier. Attention, Dragon Whip! Attention, la prise de soumission va-t-il faire abandonner Dean Ambrose avec un Dragon Whip? Mesdames et messieurs, faites vos pronostics pour ce match! Je vous invite même à faire un pronostic avant que le match débute, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Allez-y dans les commentaires, attention! Oh, le Standing Cutter! Ah, parfaitement exécuté! Ouais, qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi ça! Qu'est-ce qui se passe en train de le défoncer? Air-Truth? Mesdames et messieurs, Air-Truth, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Attention! Attention! Attention, Jean. Non. Ouh, c'était. Jean, fais gaffe. Juste... Attention. Oh, Jean Ambrose qui revient. Attention, attention. Headlock. Driver. Oh, c'est fini. De tomber, mesdames et messieurs. Et 1, et 2, et 3. Et la victoire de Jean Ambrose. Alors que pourtant, il y a eu une intervention, ce qui fait que. Tensai. Je pense qu'il a lancé sa musique pour distraire Ambrose. Exactement. C'était une déconcentration, on va dire, pure et simple. Mais justement, Tensai aurait dû en profiter, on est d'accord. Ah mais il y a tellement eu le réflexe de tourner, de mettre un coup de poing à Ambrose. Ah c'est clair, donc c'est vraiment bien joué de sa part. Dean Ambrose, qui a l'expérience au sein de la WWE. Oui, maintenant et justement, il lui dit bien joué. Ah, c'est ironique, c'est du sarcasme. Toutes mes côtes de l'essence, bien joué.
Et ces deux-là s'affronteront à Extreme Rules pour le titre de champion des États-Unis. Exactement. Et j'annonce, ça sera un Steel Cage match. On va avoir une carte d'enfer, n'est-ce pas, mon petit Fusion? Eh oui. Et mesdames et messieurs, Dean Ambrose versus Seth Rollins, Extreme Rules, affaire à suivre, mesdames et messieurs. Et on est parti pour ce travail, pour ce travail d'équipe, pour ce match qui va opposer deux équipes. C'est un travail d'équipe, du coup. Est-ce que tu te souviens, Arrow? Je te remets fort. Sin Cara avait très vite été justement mis à l'écart par l'arbitre. Parce qu'il avait trop intervenu. Oui, oui. Et je me souviens aussi qu'un certain Seth Rollins avait battu Rey Mysterio. C'était un SmackDown, justement. Ouais, ça c'était un SmackDown, autant pour avec moi. Avec le Seth Walker et la semaine dernière à Raw, on avait eu déjà ce match et la fin était juste énorme. Sin Cara qui tente un springboard et s'est fait rattraper en spear en l'air. Exact, c'était juste magnifique. Et donc on est reparti pour un match qui va opposer les champions par équipe contre l'équipe Rey Mysterio et Sin Cara. Et on est parti. En attendant, on accueille les champions par équipe. Est-ce que tu serais capable de nous faire le Sierra, Elta, Omar? Sierra, Hotel, le I, je sais pas, on va dire India. Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Sierra. Voilà, c'était notre petit kiff de vidéo avec Fusion. Mesdames et messieurs, Roman Reigns, Seth Rollins. Et Roman Reigns est l'homme fort, l'homme puissant du Sheol. Et Seth Rollins est plutôt le technicien, le high flyer. Et Dean Ambrose, du coup, est plutôt celui qui saute partout, qui va sur tout le monde, qui se fight. Le malade mental. À celui qui fonce partout. Celui qui fonce, quoi. C'est lui qui fait un peu les merdes. Hein. Des fois, il se passe rien, il fonce dessus, tout le monde y va, quoi. Bah, c'est lui, à chaque fois, il a fait perdre pas mal de fois à Roman Reigns par disqualification. Ouais. D'ailleurs, il y a eu quelques embrouilles entre eux, mais après, ça s'est. En ce moment, ça s'est vite calmé. Mesdames et messieurs, focus sur l'Evolution. On accueille l'homme qui a perdu à SmackDown. Boom. Mysterio. Bon, la présentation, elle était un peu statique, là, non? Ouais, Mysterio. L'homme qui a perdu. Mysterio. Voilà, ça c'est mieux. Est-ce que t'as connu son père, toi? Mysterio Senior. Senior, exact. Non. J'étais déjà tombé sur des vidéos de son père. Bon, ça remonte un peu là. C'était pas en noir et blanc. Non, c'était pas en noir et blanc, c'était en couleur. Mais je sais que ça monte un peu le match quand même. Hein. Voilà, toujours. On les bras bien en l'air. Nous aussi, mettez vos bras en l'air pour aider Galen. Ouais, papa. C'est qui le papa? C'est Eddie. Guerrero. Pourquoi Guerrero? Bah, je sais pas, c'est un nom de famille. Voilà. C'est peut-être un nom de scène en même temps. Aussi, ouais. Et on accueille Sin Cara, plus connu sous le nom de Unico. Exactement. Enfin, là, plutôt plus connu sous le nom de Sin Cara, mais c'est pas grave. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, on va faire, je passe des nouvelles tenues, j'y pense. Vous pouvez le suivre sur The Sin Cara WWE, si vous voulez. T'as l'impression qu'il sait pas parler, mais des fois il parle, c'est bizarre. C'est clair. D'ailleurs, c'est pas leur Twitter officiel? Si. D'ailleurs, en parlant de Twitter officiel, c'est quoi ton Twitter, Fusion? Moi, c'est Fusion YT, tout attaché. Voilà, moi c'est Sergent Toxic, S majuscule, T majuscule, et c'est et le O, enfin le Toxic, le O, c'est pas un 0, mais c'est un O. Voilà, O minuscule. Voilà, X, C. Voilà, tout est dit. Moi au début, j'ai cru que c'était un 0. Sur ta chaîne YouTube, c'est pas un 0? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je le précise. D'ailleurs, tu sais qu'il y en a qui. Il y a des gens, ils sont bizarres quand même sur Twitter. Ils mettent des noms, mais laisse tomber quoi. Genre quoi? Le Narvala du 7-8. Ça j'ai vu, ça c'est. Un petit le Ben Laden. On va dire. Le Ben Laden des temps modernes. Mais dès que t'as le département, moi je trouve ça un petit peu kikou. Après, non, il y en a certains, genre Calypso. Calypso, ouais, il a son département, il est pas. Oh, c'est un Demonsol. La vache qui rit du 9-5. Ouais, bref, tu vois. T'as déjà vu ça, toi? Non, ça c'est une invention. Bon, en tout cas. Mais bon, ouais, c'est carrément. Oh là là, ça commence très fort là. Exact. Attention, Backbreaker et le Neckbreaker pour calmer. Hey, Mysterio, et je commente. De chez elle, ça c'est plaisir. Attention, Rey Mysterio qui le pousse. Andrag, parfaitement exécuté. Par le petit roi Rey Mysterio là, qui il a une couronne sur son t-shirt. C'est pas un petit roi, hein. C'est pas une couronne déjà. Si, c'est une couronne. Non, c'est pas une couronne. Oula, Kalalana. C'est des cornes. Regarde, c'est des cornes. Non, c'est une couronne. Oh, une d'ailleurs, c'est corde. Sympa parce que il a le masque de Sin Cara derrière avec son masque. Ouais, oh, je me souviens. Et s'il nous refaisait ce spire décapitant, ce serait trop beau. Non, pas tout de suite. Ça serait beau, allez, mais je suis le coach de Cara et Mysterio, donc non, pas tout de suite. Et Sumama. Oh non, Sumama Punch, t'allais dire. Sumama Punch, ça. Sumama Punch. Sumama Punch. Attention, projection dans le coin. Il est pas dans le bon coin là, Roman Reigns. Hein.
clair, il est dans le mauvais coin vu qu'il est dans le coin de Rey Mysterio et de Sin Cara. Il n'avait pas fait un dropkick là où j'ai rêvé Roman Reigns. Attention, projection dans le coin. Non, du tout, t'as bien rêvé. Ah merde. Et par contre, ça c'était un petit dropkick. Wouh! High Flyer, Lucha Libre Style. Ça c'était parti chercher par Sin Cara. Attention, est-ce que. Ah, mais il le fait exprès. Un petit peu, je crois. Tiens, tu dégages et tu vas te prendre Superman Punch. Parfaitement exécuté. Qui aussi passe. Et le changement avec Seth Rollins. D'ailleurs, faudrait que je mette ce coup de poing en coup spécial, ça serait plus mieux que là. Tiens! Snap Suplex, parfaitement exécuté. Par Sin Cara. Attention, il relève. Et attention, il est coupé. Oula! Rollins! Coup de coude dans la face. Bien joué de la part de Sin Cara. Springboard! Et non! Dois-je te rappeler qu'il a un High Flyer devant lui? C'est vrai, mais bon. Donc ça explique des choses. Et l'entrée de Woman Wayne, attention. Sin Cara est chaud. Oh, le Enziguri qui vient calmer le powerhouse. De tomber. Et un. Et simplement. Superman Punch. Oh là là. Enfin, je l'enlève parce que il en met trop souvent les Superman Punch. C'est clair, il en met beaucoup. Attention. Merde. Sin Cara, c'est très. Voilà. Attention, on retourne. Et on prend son bras. Et bim. Et boum, voilà. Il lui explose un petit peu le bras. Attention, ça, c'est le coup attention, attention. Coup de pied. Appel à slide, parfaitement. Oh là là. Mais le gamin, et le changement avec Seth Rollins. Check j'ai l'impression que Roman Reigns, il est bien. Qu'est-ce que j'ai l'impression que tu me diras que Roman Reigns essaye vraiment de pas trop catcher pour justement se garder en pleine santé, on va dire. Ouais, pour. Et je trouve ça. Pour prendre un petit spire à la volée, peut-être. Exactement. Et je trouve ça bien pensé de sa part, en fait. C'est vrai, c'est juste le petit coup. Il rentre, il met des petits coups, il fait le changement avec Collins. Il y a beaucoup de changements du côté du shield. Et ça, c'est pas que de maintenant. Attention, c'est le tomber. Shield en même temps. Exactement. Attention, c'est Rollins. Et il va partir. Et on s'est contré par Ray. D'ailleurs, Rollins voulait projeter Ray dans le coin là. Oh, ouais. Attention, le dropkick à la Jeff Hardy. Exact. Ah, c'est ce que j'allais dire en plus. T'as vu ça? J'allais donner cette référence direct. Attention. Attention, top wap. Oh, c'est contré. Attention, oula, attention, oula. Attention, power bomb. Voilà comment revenir, Dasher. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Man. Il a récupéré quand il faisait son Hurricane Rana. Mais je veux dire, il a fait un truc devant Roman Reigns. Le Watson Next Whip, parfaitement exécuté par Seth Rollins. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Rollins? Il se casse. Non, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Attention, il va chercher le Next Whip. Regarde, en fait, ça, on est là, c'est nous deux, ça, tu vois. Seth Rollins. Attention, oh, le coup de pied dans la attention à Ray. Et le wouh! On dirait que ça pourrait peut-être se retourner contre lui ce que vient de faire Seth. Qu'est-ce qu'il fout, Roman Reigns? Viens là, Roman Reigns! Ça pourrait peut-être se retourner contre lui ce qu'il a fait, ce throwing c'est avec cette table. Mais là, ça part en cacahuète! Ça part en petite cacahuète, boule par boule! Oh, le coup de genou! Attention, et dans sa face! Oh my god! La robe Van Damme! Oh, regarde-moi ça! Comment il est chaud, Seth Rollins, il prend les deux tout seul! Et non, mais fou, regarde! Dans l'escalier! Non, forcément de contre un, il peut rien faire. Et il retourne dans le ring. Ah oui, parce que là le contre. Et le changement avec Woman Wayne. Attention. Woman Wayne. Hey Mysterio, c'est tout de suite. Oh. C'était une petite esquive ça. Claire. Attention, attention. Et la belle et tout belle et souplesse parfaitement exécutée par Woman Wayne. Le tombé est suffisant. Et un. Et deux. Non, c'est le carré là. Toujours deux. Oh, le coup de genou. Attention, on récupère encore belle et tout belle et souplex. Ah, c'est un très beau match pour le moment, c'est un très gros show. Seth Rollins. Exact, mon petit fusion. Il y a des matchs de partout. Enfin, il y a des matchs de partout. Il y a des matchs énormes de partout. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ils sont tous autant bien pour l'instant les uns que les autres. Il est dans le mauvais coin, encore 7. Et attention, le tag. Attention. Et Ray Mysterio qui revient en fire. Attention dans la face. Attention. Et attention. Attention. Et guillotine doit parfaitement. Ouais, ils n'arrivent jamais à les mettre. C'est clair. Attention, c'est trop long. Springboard. Oh, ça a sonné Rey Mysterio aussi, ça a sonné Mysterio. Et il enchaîne. Le 7 rock. Attention, le tomber. 1 et 2. Roman Reigns était là. Et la victoire de The Shield. C'était un très bel enchaînement par Rollins de sonner Rey Mysterio avec le Springboard et d'enchaîner avec le 7 Walker. C'est clair. Et heureusement, mon petit fusion, que Woman Wise est intervenu. Sinon, je pense que le match n'aurait pas été fini tout de suite. Ah, pourtant, là, il est bien fini. On a les replays devant les yeux. C'est clair. On a eu un magnifique match en équipe. Je sais pas ce que t'en penses, Fusion. Si, j'ai toujours autant énorme. J'ai hâte de voir ce que ça donnera avec son rouge pour l'équipe par équipe. Ouais, moi, ça partira en live.
D'ailleurs, c'est un match normal là, avec ce moule entre les deux ou pas? Oui, celui-là, ça serait un match normal. Ok, je pense que ça a été un Ah non, attends. Si, par contre, on aura un match alors pour le titre de la CWA et pour le titre Hardcore. Ah, ça c'est bien. Hardcore, donc ça, ça signifie bien. Match Extreme Rules. Et ECW, ça va être un match ladder. Exact. Ouh, mesdames et messieurs, attendez-vous à des prochains shows de malade mental. Est-ce que oui. Tu peux leur confirmer, Pigeon? Est-ce que je peux quoi? Est-ce que tu peux leur confirmer, Pigeon? Ah oui, je confirme, surtout Extreme Rules. Et qu'il y aura des matchs encore plus extrêmes que ce qu'on a vu aujourd'hui et que ce que vous avez vu dans les précédents shows. Là, genre là, c'était pas encore extrême vu qu'on n'a pas encore eu de stipulation de match, mais c'était déjà bien énorme. C'est clair. En tout cas, jusqu'à maintenant, ouais, effectivement, on n'a pas vraiment eu de match en stipulation. Après, ça a toujours été des matchs normaux. Après, c'est des shows mineurs, mais on est parti pour le main event entre John Cena et Chris Jericho. Qui sera, je l'espère, plus disputé que la semaine dernière. Exactement. And ladies and gentlemen, je tiens à vous repréciser quand même que John Cena avait perdu en faisant un You Can See Me Punch. Et sur le You Can See Me Punch, quand il a fait justement le You Can See Me, il s'est pris un code breaker sorti de nulle part. C'était magnifique d'ailleurs. Ah, magnifiquement bien pensé. Je vous invite à revoir ce Montero qui était justement l'épisode de 3, si mes souvenirs sont bons. C'est là où on est à l'épisode 5 justement. Exactement. Ça va très vite. C'est clair. Et on accueille, venu tout droit de Westbury, Massachusetts, John Cena. Cena, le WWE Champion, qui mettra son titre qui mettra son titre en jeu dans un table match contre Chris Jericho. Oh, et ce John Cena, on le voit depuis des années et des années. Je me souviens encore de l'époque, The Doctor of Tanagamex. Tu te souviens à l'époque où il rentrait? Je me souviens très bien. Tu te souviens à l'époque où il rentrait, où il défonçait tout, il faisait des rap battles, où il faisait. Ouais. Où c'était autre chose que maintenant. Il avait fait un rap battle contre Brock Lesnar. Est-ce que tu te souviens même de son premier match face à un certain Kurt Angle? Il avait gagné. Hein. Non, il avait gagné à ça. Il allait le battre. Il avait enchaîné littéralement. Kurt Angle n'a rien pu faire. Hein. Kurt Angle, il s'est pris une grosse clothesline dès le début. Il a fait passer par-dessus la troisième corde. Il l'a ramené dans le ring. Kurt Angle a réussi à la fin à mettre son Angle Slam. Exactement. Mais disons, mon petit Fusion, que c'était une ancienne époque. Que c'était vraiment C'était la bonne époque, parce que je trouve que la WWE a perdu beaucoup de... Parce que pour moi, je vais te dire franchement, je trouve que John Cena, quand il était passé en face, ça le faisait bien. Mais maintenant, il doit retourner en heel, c'est capital. S'il veut relancer sa carrière en tant que champion, ça va être capital pour lui. Mais après, comme tu me disais, tu parlais justement de Make-A-Wish. Et parle-nous-en plus d'ailleurs. Make-A-Wish, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Make-A-Wish, c'est une association qui permet aux enfants qui n'ont entre autres pas d'argent, enfin pas assez d'argent pour... c'est un petit peu une association pour aider les enfants, quoi. Exactement. C'est John Cena qui représente même aussi l'association contre le cancer là de Suzanne. Exactement. C'est plus quoi. Nous aussi, on a des associations en France. Hein. Oui, on en a, mais pas autant réputées que celles des Amériques. Il n'y a pas une petite association comme ça par-ci par-là qui va nous ramener à WWE par exemple. Je sais pas ça. Non. Il y a tout qui s'échine en avance. Non, parce que si ça existe, moi je m'inscris pour ça. Hein. Je fais genre, je suis malade. Je suis malade, donnez-moi WWE, ouais. Voilà. WrestleMania 31, je serai là. Je suis là. Ok, yes. on va arrêter de dire un petit peu trop de l'âme. En tout cas, c'est parti pour ce main event. C'est parti entre John Cena et Chris. Ça commence très fort, Chris Jericho. Oh. Je commence sur projection de record. Tu me crois quand je te dis qu'on a oublié carrément de présenter Chris Jericho, enfin son entrée là? Bon, je le fais maintenant. Une première de Winnipeg, Manitoba, Canada. Chris Jericho. Et on est parti donc entre John Cena et Chris Jericho. Et c'est parti, on récupère. Jericho, on est parti avec une souplex maintenue. Et souplex déposé. Souplex appliqué. Souplex parfaitement exécuté par John Cena. Exactement. C'est le coup du grappin. Et attention. On dégage. Et là, ouh, la Tone Quest. Oh, Lutes Quest, pardon. Il ne compte pas se faire avoir comme la semaine dernière, Cena, apparemment, là. C'est clair. Il le relève, mesdames et messieurs, et un punch. On récupère le bras de Chris Jericho. Bah, c'est quand même le WWE Champion. Il s'est quand même fait. Ouh, le Nziguri. Il s'est fait battre par son challenger qu'il a contré à Extreme Rules. Ah, mais quand ça sera pas la même stipulation. Ça sera un table match pour le titre. Exactement. Ah, c'est Extreme Rules, hein. Tous les matchs ont une stipulation. Et la belle est tout belle. En fait, je dis des conneries, le tag team match entre le Shield et Mysterio et Kara,
sera normalement. Je sais plus trop. Attends, qu'est-ce que j'avais dit que ça serait? Parce que en fait, j'y avais pensé dans ma tête. Je me suis dit, soit ça sera un leader. C'est clair. Soit ça sera un TLC. D'ailleurs, moi j'aime bien les animaux de compagnie. Oui, moi aussi. Attention. Et bim, dans ta face. Ça fait genre le mec il s'en fout, tu sais. Un petit peu comme ça, voilà. Voilà. Ah, c'est un souvenir avec ça. Ça, vous le verrez. Vous le verrez peut-être à 1000 abonnés si je fais mon best-of pour mon projet. Ça, c'était pas mal ça. Attention, récupère Chris Jericho. Attention, il s'est contré par Jericho. Attention, Cena. Cena, qui est-ce qui me Cena, il est chaud. Cena, il est chaud, mon petit fusion. Ouh, attention. Oh la Timmy, tellement violent. Et le coup. Ah, il est violent, hein. Le petit Jericho aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a, mais il est très violent. Ah, bah, attention, on le pousse. Il est pas violent. Et le. Et voilà, Lutas pour ça, un coup de poing, deux coups de poing, voilà, coup de poing, c'est sur la tête. C'est très physique là pour l'instant ce match. Ah, mais là c'est un plus que physique, hein, c'est même trop physique. Ils utilisent pas de prise, c'est que des coups de poing et des coups c'est de poing. C'est clair, c'est clair. Trois balles UFC, c'est bon. Et. Oh, le Sleeper Slam. Clair, carrément, gros Sleeper Slam. Attention, on va chercher Jericho et non. Over, Neckbreaker. On se rappelle, il me semble que c'est Cena qui avait eu des problèmes à la nuque. Lutas pour ouais, exact. Cena a régulièrement eu des problèmes de santé, tout comme toutes les superstars. À partir du moment où tu fais des matchs et que tu te blesses, t'es obligé de passer par des opérations et tout ça, quoi. Donc voilà. Ça reste pas que se blesse tous les ans. À chaque WrestleMania, il se blesse pour nous, quoi. Toutes les superstars. Mais faut pas oublier que pour beaucoup, le cash c'est du faux. Mais je suis désolé, mais quand on voit toutes les blessures qu'il y a, laissez tomber. En fait, moi, j'ai toujours dit à ceux qui m'avaient dit ça, écoute, c'est peut-être du faux. En fait, c'est scénarisé, mais ça tape vraiment. Ils se font mal pour nous. C'est clair. Puis ils vont à l'hôpital, ils se font opérer. Je sais pas si t'as déjà vu des grosses blessures. Brian, sur les... Ils mettent les plaies sur, tu sais, sur WWE, les sites comme ça, les plaies des catcheurs et tout, tu vois. Ouais. Les grosses cicatrices et tout ça. Quand tu vois le bébé aussi, c'est pas ce que j'ai vu, mais. C'est clair. C'est peut-être scénarisé après, mais c'est beau à regarder, c'est divertissant. Oui, sachant que des punches et des kicks que tu vois tout le temps, là ça vole dans les airs et tout, donc c'est peut-être scénarisé. Mais les coups, ils se prennent vraiment, tu peux pas contrôler un coup quand il part. Ah non, ah non, c'est sûr. Voilà. C'est après, il y en a certains qui atterrissent pas là où il faut, ils se font un petit c'est peu clair, semblant quand même. Mais... C'est clair. Mais après, attends, c'est le risque du métier. John Cena qui va enlever, qui va préparer la table des commentateurs. Et là, d'ailleurs, peut-être que le match va devenir extrême. Peut-être que le match, s'il fait passer à travers la table. D'ailleurs, attention, pensé, justement, justement, mon petit, regarde-moi ça. Attention, Cena qui va mettre Jericho sur la table, là, il veut se venger la semaine dernière. Attention, qu'est-ce qui se passe? Cena qui l'enlève. Mesdames et messieurs, attention. Cena il est fou. Oh. Attention, Jericho, Cold Breaker, sorti nulle part. Sorti nulle part, mon petit fusion. C'est lui qui vient de s'exploser le dos, Cena il a rien eu sur la table. Oh, mais c'est clair, mais littéralement. Mais Cold Breaker sorti nulle part comme la dernière fois. Il est déjà debout, Cena. Il récupère son bras. Bah, never give up, mon petit fusion, je te rappelle, attention. Oh, le coup de pied, il était magistral pour contre. C'est clair, ça franchement était beau. Et on va repousser. Jericho en lui disant tu vas te calmer. You can see me. Ah si, apparemment il peut. Oh, le Ziggy, il vient de le calmer là. Son il le relève. Attention Cena. Attention. Oh, le Walls of Jericho. Attention. Après cette prise, le code break. Il essaye, attention. Et c'est placé. The Walls. Oh mon dieu. Oh, il est loin Cena. Des cordes là. La puissance de Cena. Regardez-moi la puissance de ce catcher. Regardez-moi ça. Et justement, c'est lâché. Il préfère le lâcher et enchaîner avec un cut breaker, c'est fini. Cette fois. Mon dieu. Deuxième défaite d'Achille pour Cena. C'est terminé, et je suis désolé. Les mains ont un peu bugué, les mains de Jericho. C'est bon, c'est bon. Et un. Ah what the... C'est quoi le délire? Cena, attention, Cena qui revient. Deux fois Cena qui revient. Attention, qui va avoir un dernier mot entre Chris Jericho et John Cena. C'est John Cena. John Cena qui va partir. Tiens, un punch dans la face. Et voilà. À l'ancienne. C'est ça, exact. Cena qui récupère. Et standing drop kick parfaitement exécuté par deux chiens. Ce match là, il part en live là, ça c'est du match. Ah, ça celui-là, ce match là, mesdames et messieurs, pas vraiment en live. Le tombé et un, deux. Ah, c'est un drop kick. Hein. Le bras se fait retourner, c'est contré, attention. Round drag. Parfaitement le exécuté. Sol. Attention, il le prend par derrière, c'est contré encore une fois. Le match part en couille. Hein. Le match part vraiment en live, mesdames et messieurs. Attention, on est parti avec une back suplex. Il est tombé gravement sur la nuque là, Jericho. Ah, c'est clair. Et Chaltos qui touche la cible. Est-ce que ça serait fini? Attention avec Chaltos. Éventuellement, pourquoi pas, j'ai envie de te dire un. Et deux. Et non. J'ai cru.
Attention, Cena qui passe par derrière, c'est contré par Chris Jericho. Ah, on entend le public là, let's go Cena, Cena sucks. Attention, Nelson Lock, va-t-il gagner avec cette Nelson Lock? Attention, c'est fini, Nelson Lock. Il est endormi. Oh, Chris Jericho est complètement KO. Mesdames et messieurs, The Champ, le champion, a battu Chris Jericho. Mais je crois que le full Nelson Lock a été efficace par rapport à la backstory que j'ai pris. Si là, il en a fait abandonner des milliers, hein. Triple H, il est passé aussi déjà. Avec le STF. Exactement, je me souviens même du match Orton, c'était quand déjà? C'était un Iron Man où il avait abandonné dans les 3 dernières secondes en lui mettant des menottes autour du cou de Randall Clayton. Exactement, ça c'était juste vénère. Hein. Donc là, surtout quand on voit les bras de John Cena, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est vrai. Et là pour l'instant on est à un partout entre Jericho et Cena. Et donc Cena est confiant pour Extreme Rules. Ah, la confiance est de chaque côté, une victoire chacun. Ah mais là psychologiquement les deux ils sont taqués quoi. Et encore c'est pas fini, on a encore un Raw avant Extreme Rules. Yeah, voilà, là, regarde justement il montrait ses muscles, on en parlait. Ça là, c'est Cena. Son Never Gave Up. Et voilà, mesdames et messieurs, John Cena vient de battre Chris Jericho pour terminer ce show qui c'était juste un show énorme. Exact. Et d'ailleurs on va se retrouver très vite pour un nouveau show qui sera quoi d'autre. Et ça sera quoi Toxic? Ce sera ICW, non? Et oui, ça sera la ECW qui va faire son retour. C'est clair. En ce mode univers. Et éventuellement, après Extreme Rules, peut-être que je penserai à mettre des Super Sacré à faire un petit NXT à nous. C'est clair, ouais, pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pour pas. Pour faire plus de shows. C'est sûr. Ça pourrait être pas mortel, quoi. Ouais, et on va peut-être se quitter donc sur la carte du prochain show. C'est clair. Bah vas-y, monte-nous. Alors, là, bah attends, c'est pas moi qui joue, hein. J'ai filmé, mais je joue pas. C'est vrai. Alors, on va passer à l'événement suivant, s'il te plaît. ECW, Anthony Cesaro. Oh, ah, je crois que ça a changé, par contre. Il y a eu des petits changements. C'est clair. Par rapport à certaines tenues que j'ai dû modifier, il y a eu des changements. Ouais. Donc, Matt Hardy affronte toujours Justin Gabriel, il me semble. Ouais. Antonio Cesaro est à la place de Big E dans le match tag team. Ouais, beaucoup de changements quoi. Et The Miz affrontera Kane à la place. Ah ouais, franchement bien la carte hein. Voilà, donc on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du mode univers en compagnie de Toxic. Yeah, donc MDR. Tant pis, ça sera toujours du noir. C'est clair. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez kiffé. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de la fusion. À la prochaine, salut tout le monde. À la prochaine, peace out.